Là, je les ai eu, celles qui sont entre les poteaux, là. Attends. À moins que ce... Attends, c'est lesquelles que j'ai eu? Celle du côté là ou celle de l'autre côté? Il y a deux poteaux de saut comme ça. Non, bah, celle-là, je les ai eu. Est-ce que j'ai eu... Est-ce qu'il y en a dans le côté là-bas? Oui, je les ai trouvés! Yes, alléluia! Ismen, amen! Alléluia! Ismen, amen! Yeah! C'est bon, je peux me barrer de là! Alléluia! J'aurais mis le temps, mais je les aurais eu. Putain de 100 pièces de merde. Ah, il me reste que... Ah ouais, quand même. Il me reste 19 lunes à trouver. Je sais pas comment il plante 19 lunes là-dedans, mais... Je sais pas comment ils arrivent à planquer 19 lunes là-dedans, hein, encore. Hein. Vu comment j'ai exploré le monde. Oh, un jour j'étais à New York avec toi. What star? What? What what? Allez, je me pète de ce monde de merde. Oh je sais que le monde, c'est New York, mais je vois pas le rapport avec la phrase que t'as dite. Bon, allons se refroidir les idées au pays des neiges. Locaux en Flavonie. Cool. Ah, il y en a que 50 ici. Il n'y en aura pas des masses à trouver, c'est cool. Bizarre ce cube.
Non, il se pousse pas. Bon, ça a l'air d'être un cube, tu peux se pousser. Eh, pousse. Je pense à y ressembler. On va éviter de toucher l'eau, hein. Comment elle est gelée, la flotte. On n'est pas dans Pokémon. Bon, je vais peut-être le lieu après avoir fini de faire ce qu'il y a à faire. Parce que là, apparemment, il y a des trucs bloqués à cause de... Pas de la glace. Tiens, il y a un truc bizarre ici. Ah, Toad! Ça, c'est le cube dans en post-game, ça. T'as encore un autre cube bizarre. Encore un autre truc de bois bizarre. Ah ah, mon give up, putain. Abruti. Aussi, ils avaient besoin que Nintendo leur fasse de la pub. Bon, j'en trouve des pièces violettes, hein. Du moins, c'est des flocons dans ce moment. J'ai fait le grand tour du pays. J'ai longé les murs. Toute la sainte journée, je n'ai pas vu le doute en moi. Là, je reviens au point de départ, apparemment. Et ça, j'ai déjà vu, ce glaçon. Ouais, passer par là, c'est une mauvaise idée. Je vais me les geler. Bon, comment je reviens sur la terre ferme, moi, hein? Moi, sur mon chemin de base. Ah, c'était de l'eau! Putain, j'ai refait le grand tour! Sérieusement, mais il est où le chemin? Attends. On va se téléporter, hein, on va revenir au début, on va refaire les choses correctement. Je crois. Le but du jeu, c'est d'aller là-bas.
Bon, apparemment, je suis sur la bonne voie. L'argent des abonnés, ça fait la mal. Salut Travis, en espérant que mon micro ne bug pas sur YouTube encore. Ah, j'espère que mon micro bug pas. Alors ça c'est pour se barrer du monde, souterrain. Stardust. Ok, c'est cool. Non, parce que tout à l'heure, t'avais quelqu'un qui était sur YouTube et ça buguait, donc pour ça. C'est cool alors. Si tu te demandes si je parle à d'autres gens, Travis, c'est normal, c'est parce que je stream sur plusieurs plateformes, donc je réponds à d'autres gens aussi. Bon, allez, on va faire le côté là en premier. Non, non, c'est bon, il bug pas, Steven, pas besoin. Mais merci de proposer. Ok, alors ça, ça pue, je vais me casser la gueule en glissant. Bon, les combats sont pour éviter que je me casse la gueule, hein. Bien utile ces combats. Bingo! À la fraîche, les uns sur les autres. Oula, j'ai failli me louper. Là, il y a une lune. Et il y a quoi là-bas? Et venez là, les petits combats. D'accord, ça c'était pour mourir le chemin. Ok. Ouais, ouais. Bah en fait, certains de mes abonnés, bah ils sont sur Gamerguard sur Twitch, bah, Redonovan. Et en fait, j'ai quasiment parmi mes 133 abonnés, c'est quasiment que des fantômes, Travis. J'ai quasiment que des abonnés fantômes. Hein. Non, mon enfoiré. Bah ouais, j'ai eu les 100 pièces.
plus les sentiers, je me suis barré. J'aimerais bien, moi qui est sur YouTube, un truc effacement. Bah oui, j'ai les 100 pièces. Tu peux demander à Stardust s'il était là. J'aimerais bien qu'il y ait une option sur YouTube, effacer les abonnés. Je gère tous ceux qui servent à rien. Et merde. Mais non, mais t'es sérieux là? Ah, l'enfoiré, il a rien vu. Oh, moi ça a jamais été terrible, moi, donc moi ça change pas grand chose, moi. T'inquiète, de toute manière, Donovan, c'est le replay sur YouTube, je l'effacerai, mais le replay de Twitch, je vais les diviser en trucs de 1 heure par 1 heure. Je vais le diviser comme je fais d'habitude, je vais diviser tout le truc en 1 heure, je vais me charger ça demain. Ah ok, donc celui que j'ai déjà fait, le mec qui se met devant. Non, j'ai pas activé le truc du retour en arrière pour YouTube. Ok, là il y a des pièces. Ouh, il y a un truc ça. Merci la commande automatique. C'est quoi ces trucs? Bon, où est la lune cachée? Il y en a une de cachée. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs que je n'aurais pas vu qui sont planqués? Ah, tu sais, le YouTube Gaming, très vite, ça a du mal à faire sa place à l'heure actuelle. Hein. Ah, je peux pas tout voir. Caméra, je peux pas l'orienter comme je veux.
ça m'emmerde par contre, ça. Pas moyen de passer en mode vue subjectif? Ouais, je l'avais vu la rainure, mais je voulais jouer la caméra. J'avais vu la rainure tout à l'heure, mais je voulais jouer avec la caméra pour voir s'il n'y avait pas des trucs par rapport aux autres piliers. Mais merci quand même, Stardust. Mais je l'avais vu la rainure quand j'étais monté. Mais moi, je voulais juste jouer avec la caméra pour voir si j'avais pas oublié d'autres trucs. Comme le jeu m'a pas permis de le faire. Bon, vu que la caméra veut pas se laisser guider. Ah bah merci, je savais pas. Ouais, j'ai vraiment du mal avec eux. Il y a l'air d'avoir un truc au-dessus. Bon, maintenant il suffit juste pas de se fail avec les sauts. Oh, oh, oh. Ah, je l'avais vu, la petite croix là qui dit il y a un truc. C'est pas discret. Bah merci d'être passé, Travis, bonne soirée à toi et à la prochaine. Hein. Bon, j'ai eu la lune cachée qu'il y avait ici, donc y'a pas de problème, j'ai pas besoin de rester ici plus longtemps. Au moins, je vais pouvoir m'acheter la tenue avec toutes les pièces violettes que j'ai récupérées. Jamais s'il y a des trucs planqués, genre des petits trous. Bah tiens.
Ah, il y a des pièces violettes en bas. Bon, j'ai trouvé la lune cachée. Il m'en manque déjà plus que 12. J'aime bien le bruit que fait le chapeau quand il se cogne. Ouais, on va éviter de plonger là-dedans. Le Disney-Neige est à nous. Le patron Bowser est content. Et il est content avec question gâteau. Et pourtant pas facile. Facile. Faut dire qu'on l'a décuté le top du top. Ah, c'est gelé. Merde, j'avais pas compris que c'était gelé. Hey. Non mais lâche moi mec. Ok, bon là tu fail. C'est la première fois que je meurs sur un boss, tiens. GG à toi gamin. J'ai fait le con. Voilà! C'est comme ça qu'ils ont dû se passer la première fois. Non, de Zeus. Voir s'il n'y a pas d'autres pièces violettes planquées. Alors là c'est la lune cachée. Non, il n'y a rien d'autre de planqué. Ah bon, je vais acheter mes fringues. Où je m'habille en... avec les couleurs de cette zone. Oh,
Voilà, Mario est habillé pour ce monde. Arrêtera-t-elle de se léger comme une merde, hein? Et quoi le fameux grand prix? Fallait voir à l'étage ce qu'il y avait, tiens. Ah bah tiens, le mec il m'offre... C'est pas la reine des neiges. C'est pas la reine des neiges. Salut Pixel. Bon. Ah oh, putain, ça glisse. Qui a trouvé la lune cachée là-dedans? Oh oui, j'ai tous les butés grâce à cette magnifique tortue qui tournera en rond. Comme un con. Je voulais voir s'il n'y avait pas tes pièces d'être cachées, moi, à la base. De boulet. Il y a un truc là, là je vois un bleu. Ouais. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc. Je l'avais vu. Et il n'y a pas de pièce violette. Je t'avais vu la lune. Non, 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 pas par là, pas par là. Je vais encore me bloquer comme un con. Ah, par là. Bon, apparemment, il n'y a pas de pièce violette ici. Mais non, c'est pas là où je voulais aller. Outil. Là-bas. Attention dans la neige du bourge. Du bourge clocher? Bon, qu'est-ce qui traîne par là-haut? Une lune. Trésor de flocons en flonoli. Bon, il n'y a pas de tête violette. Bon, bah, on va aller voir ce qui se passe là-haut. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse truc de grand prix?
Aïe. Non, j'avais cru sentir des vibrations, non, c'était que moi. Oh! Ok, non, ça c'est un chemin de retour. C'est de là d'où je viens, ça. Ça c'est pour. Voilà, pour monter en haut. Pause. Bon bah ça c'est pour participer à la course le mec là. Ah quoi, est RFT dans le vestiaire, je me demande bien ce qu'il fait. Laisse-moi faire des pléonasmes. Petit Stardust. Bon, ça planquait rien d'autre. Bon, il m'en manque plus que 8. Je veux pas y aller, les autres sont tellement à fond flon. J'y arriverai jamais à gagner. Si je vois que quelqu'un pouvait courir ma place, comme ça ils pourraient faire leur cours flon. En manque 5. Ah oui, mais what? Faut que je lui reparle une deuxième fois pour lui dire, je peux bien prendre ta place, mec. Mais comment je fais pour dire que je veux participer? Ah, fallait que je le... Ok, fallait que je le contrôle. Non, je suis tellement pas habitué à prendre le contrôle des PNJ. Voilà, mon Flou, la course va enfin pouvoir commencer. On a plus de délivre de neige, Flou. Le Grand Prix sera donc une multilune. Flou, est-ce que tu es prêt? Ça fait un moment que tu n'as pas couru, mon Flou. Commence donc par un petit échauffement. Ouais, je crois que j'en avoir besoin. Allez, c'est parti pour le fail.
pas c'est quoi les temps mondiaux, mais je m'en fous. Flonflon, quel pouf tu as fait, et quelle vélocité, et quel fulgurant feu. Une vraie boule de neige peut faire phonique. Tiens, tu remportes le prix vainqueur, une mutine. Bravo, mon Flonflon. Alors on y voit un peu mieux maintenant. Comment j'accède à là-haut? Non mais toi t'es un escroc, Todd. Monte! Faut que t'arrives à me faire accéder à là-bas! Ah, il peut pas monter plus haut. Là, faut planter une graine. Monter haut. J'aimerais bien savoir où est la graine. Ah ouais, j'ai trouvé la graine. Mais la graine, elle s'envole pas. Je suis tombé trop rapidement. Oh, mais c'est limite celui-là. Eh, hey, tu croyais que je t'aurais pas vu? Non! Non! Non, c'est quoi? C'est quoi ce coup de pute? Eh, hey, je t'ai vu! Normalement t'as plus de jambes, mais bon. On va en parler.
Non, ça se déplace à 2 à l'heure, le machin là. Une heure plus tard. Tout à l'heure, j'ai vu. Ah, le voilà le bloc combo que je cherchais. Il est là. Ah, c'était pour cacher une porte des niveaux bonus. Or, il y a une lune là. Et. Ah merde, je peux pas le bouger. Oh mais non, je voulais pas souffler par là. Eh merde. Ah, faudra juste que je pousse pas le rouge. Très compliqué l'énigme. Waouh, c'était compliqué. Normalement, dans les niveaux comme ça, il y a toujours deux lunes. C'est le deuxième niveau comme ça, ou c'est un mécanisme à la con comme ça, et je peux pas trouver le deuxième. Moi, j'arrive pas à trouver où est la deuxième lune. Non, j'arrive pas à voir où avoir une deuxième lune. Oh, bah, je peux pas monter. Et qu'avec toute la volonté de Dieu. Oui, encore moins là. Ah oui, c'est. Ouais, non. Il y a une deuxième lune, bah. S'il faut monter là-haut, bah je sais pas comment. Pas l'air d'avoir de blocs cachés. Non. Bien, sans savoir une deuxième lune ici, bah, je sais pas comment l'atteindre. Mais non, de l'autre sens, abruti! Bon, j'ai eu. Une extrémiste, mais je l'ai eu. Toi, je t'avais vu. Oh mais c'est de l'eau, d'accord, c'est des trucs de cubes d'eau, d'accord, ok. J'ai pas compris que c'était de l'eau, je croyais que c'était des cubes de glace moi. Oh,
Allez, c'est vrai que j'ai plus mon chapeau. Ah, ça a pas bouffé. Bon, s'il y a une lune cachée, pour l'instant, je suis pas mandrer des doigts, ce truc. Un petit peu de vie, non? Non, vous êtes désenfuré à ce point. Bon, il y a un chemin vers le bas. C'est l'air d'être le chemin où je me dis, pour aller par là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a en haut? Pas me faire écraser, pas me faire écraser, c'est bon. Eh ben, je vais trouver ma lune cachée. Ça me fera mes points de vie, au moins. Bon, il n'y avait pas de pièce violette ici. Ouais, t'as vu ça, Steven? Non, je peux pas pousser les pauvres petits. Ah, mais je dois pouvoir monter en haut. Un bloc. Un bloc. Je dois le pousser avec, avec monsieur le nuage. Hé, hey, fais-moi monter. Ah, il veut pas! L'abruti nuage, il veut pas! J'ai besoin de toi, il faut que tu déplaces le truc là-bas! Faut que tu montes, gamin! Hey! Bon, il veut pas, faut que j'en prenne, faut que je prenne celui du début. Il veut pas, il veut pas. Salut copain, un petit défi, ça te dit? Marcher c'est bien, mais marcher d'un règle c'est encore mieux. Je te propose d'essayer. Si tu arrives à aligner, si tu arrives à aligner tes pas comme il faut, tu repars avec un prix. Je tente le coup. Ça marche copain. Les règles sont simples, il suffit de marcher en suivant les flèches au sol. Le petit défi c'est qu'au bout d'un moment les flèches en question disparaissent. Tu dois faire au moins 80 points au compteur pour l'emporter. Allez, zou, en marche. Oh! Alors là, je suis carrément à côté. 67. Ah oui, bah j'étais carrément à côté la deuxième fois. Hein. Voilà, j'ai fait un peu mieux. Oh non! Ah non, mon triangle est carrément décalé! Oh putain, c'est pas facile avec la glace! Avec la glace, c'est pas facile à cause que je glisse au dernier point. Ouais.
Alors une ligne bien droite. Une ligne droite. C'est pas vraiment droit tout ça. Putain, j'arrive pas à faire une putain de ligne droite, je suis toujours décalé. Putain, j'arrive pas à faire une putain de ligne droite sur l'autre morceau du triangle. C'est trop dur. Ah, je suis trop une merde. Voilà, là ça sera mieux. J'ai vu le chemin des flèches. Là c'est bon, là. Normalement je dois... Quoi, je suis allé trop loin? Sérieusement, putain, je suis allé trop loin. Ouais, 82 points. Ouh. Non, laisse tomber. Oh, ah putain. Mini-jeu à la con. Oh, le mini-jeu à la con, quoi. Bon, faut que je prenne l'autre souffleur.